Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est dimanche aujourd'hui, journée un peu repos. Pas trop, non. Je ne sais plus. Oui, on a un truc de prévu. Voilà, je tourne le samedi soir pour cette vidéo. Comme ça, je vais la monter et vous l'uploader pour que vous l'ayez demain matin. Parce que j'ai envie de dormir un petit peu demain. Et laisser monsieur dormir aussi, comme il se lève tous les jours très tôt. Il se lève à 5h30, il a le droit de se reposer. Du coup, on va s'ouvrir les calendriers du 18. Je vais encore dire 17, non 18 aujourd'hui. Du coup, on va commencer par quoi? On va commencer par le Jack. En plus, avec mon erreur que j'ai vue. Le 18, elle est ici, c'est un cadeau blanc. Il est beau ce cadeau. Voilà. On prépare aussi les cadeaux. Putain, c'est un petit. Il est juste ici. Là, ça c'est le pop. Vous avez le papier qu'ils mettent. Je sais pas pourquoi, mais enfin, soit. Hop, on va l'ouvrir. On pourrait mettre un autre pop dedans. Regardez. Mais non, ils font des papiers du gaspillage. Après, on dit qu'il faut faire attention à la planète. Du coup, on a. Oh, il est beau lui, je sais pas son nom lui. C'est un petit clown. C'est comment lui? Aucune idée. Bon, je crois qu'à la longue de ces cases, vous avez compris que moi les noms, c'est deux. Mais il est beau, il a un vélo là. Juste ici, il a un petit vélo. C'est enfin, non, c'est pas le vélo, c'est juste le la selle et le une roue. Je sais pas comment ça s'appelle non plus. C'est, je n'ai jamais su. Si vous savez me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir. Au moins, je serais moins bête. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, j'ai ouvert le petit Jack. On va pas. On va faire Pokémon. Là, la case 18, elle est ici. Il nous en reste plus beaucoup. Demain, on fera un sort Pikachu. Lundi matin, c'est Pikachu qui va prendre cher. C'est. Je croyais que c'était Rondoulou. C'est qui ça? Un tas rose. Avec toutes les fleurs. Je connais pas ce Pokémon. Je vois même pas qui c'est. Une boule rose. Voilà. Je sais pas. Aucune idée. Franchement, là, ça me. Ces cases Pokémon, c'est pas le top. Hein. Du coup, je chope le Harry Potter. Qui commence à vraiment. À des belles pop dedans. La case 18. Je chope le petit sachet. Hop. Je le referme, j'ai le petit sachet. C'est qui? C'est un roux. Ça doit être la sœur de les Weasley et de Ron. Oh, elle est trop belle, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup avec son panier, les petites tresses là, il y a deux petits nœuds. Ouais, c'est deux petites tresses devant. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup cette pop. Vraiment. Ça me. Allez, on va faire celui-ci pour une fois. La case 18. Elle est là. On n'a pas besoin de chercher, non. En au-dessus de la 1. La 1. Ah non, je pensais que la 1 allait tomber. Hop. Non, toi, je t'ai pas encore ouvert. Donc, on va venir à moi. La case 18. La case 18. Je l'ouvre. C'est un tube rouge, rose. Ah, c'est rose, rouge. Je présente comme ceci. Tube beauté. Gommage éclatant. Réveillant. Réveillé. Gommage éclatant. Yves Rocher. Du coup, je pense que ça doit être un gommage pour le visage. Si vous allez voir la crème qui sort, elle a des petites points dedans, mais elles sont bon. J'aime pas par contre ce capuchon là, j'aime pas ces capuchons un peu ondulés là, c'est, mais voilà, ça c'est toujours, ça peut toujours servir, c'est bio, voilà, brochet français, comme toujours,
réveillé, gommage, clatant. Voilà. On verra, parce que là, je sais pas. Et là, il est marqué quoi? Là, c'est pas en français. Alors, ce qui s'est marqué, une texture granuleuse et conclusion optique bio pour une peau douce et éclatante. Ouais, je pense que c'est pour faire les gommages du visage. Ce serait bien ça. En plus, j'ai acheté une brosse pour frotter là qui vibre un petit peu. Je ferais ça pour au moins des fêtes. Du coup, je chope le Pokémon qui se cache, parce que je ne voulais pas le sauver. J'aime beaucoup l'arrière. Je pense qu'après, je vais essayer de le découper comme ça, proprement, pour garder l'arrière. Donc, du coup, nous, on est là. Parce que là, celui-là, on ne verra plus. La case 18, on attaque Ivoli. C'est la tête d'Ivoli, pourquoi Ivoli? On le coupe la tête à Ivoli. C'est un manche en bleu. Hop, je l'ai chopé. Toujours pas vu. Hop là. C'est qui? Ah ouais, c'est pas d'Eden. Non, c'est... Je connais des noms, mais pas tous les noms. Je connais Pikachu, Evoli, mon Pokémon préféré, Colorior, Conflex, d'Eden. Qui encore? Dracaufeu, Rintacel. Les Pokémon de passe, quoi. Mon chat qui est terminé. Ça va, mon doudou. Du coup, il nous reste le Mickey qui est là-bas au bout, c'est pour ça. Tu veux plus t'ouvrir, hein? Hein, ça y est. Il voulait plus s'ouvrir. La case 18, c'est une étoile. Qui va être étoilée, notre star d'aujourd'hui? On va dire la star d'aujourd'hui, ce sera mieux. Et la 24, ce sera... Oh, c'est une tête de Mickey. Pourquoi ils n'ont pas fait une étoile, la star de... Alors, c'est tout petit. C'est petit, c'est plat. Ça, c'est un truc comme on a déjà eu, les pains d'épices. C'est la forme du pain d'épices. D'accord, il était ouvert dans le fond. C'est ce que je disais, c'est mini en pain d'épices. Voilà, on avait eu Mickey en pain d'épices. C'était tellement plat que je me suis doutée. Voilà, c'est Mickey et Minnie en pain d'épices. Voilà, en forme de pain d'épices. Il a pris les poils du chat. Voilà, on aura les deux qui vont ensemble. Mais Minnie, elle est très belle. Elle a un pull de Noël, une chaussette dans la main. Mickey, il avait un sucre d'orge. Ils vont bien ensemble, hein. Ils font un petit couple. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, Minnie, tu restes là quand même. Et il nous reste... Ben rien, on a tout ouvert. La crème, c'est bon, les deux Pokémon. Et c'est bon, on a tout ouvert. Voilà, on a tout ouvert. Je suis contente. On a ouvert tout. C'est déjà le 18. Il nous reste qu'une semaine. On va essayer de profiter au max de la dernière semaine. De ces calendriers de l'Avent. On espère avoir encore des belles pipites. Du calendrier. Le seul que je suis un peu déçue, c'est Jack, parce que pour moi c'est un qu'on a déjà eu et il était vendu comme nouveau de cette année au magasin. Du coup voilà, je suis un peu déçue parce que voilà. Par contre, je vous confirme pour l'année prochaine, n'achetez jamais les calendriers à trafic. Les trafics sont doublement très chers. Le Harry Potter, il est à 50 euros sur Amazon et à trafic, il est à 70 et quelque chose. Alors, n'hésitez pas à prendre sur Amazon, même si beaucoup de gens ne prouvent pas, ou ailleurs. Mais faites des comparaisons, mais moi, je ne vous dis pas, pas à trafic. Ils sont tellement chers que... Voilà, attendez les fin décembre pour aller les chercher pour l'année prochaine, si ça vous dit. Voilà, sur ce, j'espère que cette 18e case du calendrier de l'Avent vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche ou une bonne soirée au moment que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à demain pour la case 19 du calendrier de l'Avent qui diminue à grands pas. Je vous fais des gros bisous et je vous adore.